Bonjour et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous allons jouer ce matin avec Nathalie et Ingrid pour commencer. Nathalie et Ingrid qui reviennent pour la troisième et dernière fois. Elles joueront contre Madeleine et Huguette. Madeleine et Huguette de Cherbourg. Elles jouent toutes les deux au Scrabble ensemble dans le même club. Madeleine, aime également les voyages et la lecture. Huguette joue au tarot et à la belote. Bonne chance à toutes les quatre. Et sans plus attendre, merci d'accueillir votre animateur préféré, Thierry Beccaro, bien sûr. Je suis là. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Il y a aussi des hommes qui nous regardent régulièrement et qui jouent. Pour aujourd'hui, ce seront quatre femmes que je vais accueillir dans un instant. Merci à vous toutes et à vous tous qui êtes installés tranquillement dans le public, prêts à jouer. Ingrid, comment allez-vous? Très bien. Vous arrivez toujours du Nord? Oui, toujours. De Lille? Oui. Et qu'est-ce que vous faites? Parce que ça fait un petit bout de temps que vous êtes avec nous, donc on va rappeler un petit peu ce que vous faites dans la vie. Je suis toujours serveuse dans un bar tabac. Ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé, Vous avez des nouvelles de la famille? Oui, tout va bien. Bon. Et vous, Nathalie? Ça va. Bon. Vous êtes toujours originaire du nord de la France? Toujours, oui. Voilà. Et votre profession, Nathalie? Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine commercial. Dans le commerce. Merci, Nathalie. Bonjour, Huguette. Bonjour, Thierry. Ça va? Ça va. Vous avez déjà joué avec nous, Huguette? Une fois. Une fois. Mais je vous sens quand même... Un petit peu. On n'a pas été assez convaincant, on n'a pas réussi à vous détendre comme il fallait. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller? Parlez-nous un petit peu de ce que vous faites, vous, Huguette. Eh bien, je joue au Scrabble avec Madeleine. Ça va, ça. Moi, je peux jouer au Scrabble avec Madeleine, jusque-là, c'est bon. Après. Et je joue aux cartes. Ah oui, alors là... Allez, belote, Thierry. Non, l'autre jour, je l'ai dit, la belote. Le tarot, alors? Non, je n'y connais strictement rien. La manille. La manille. Là, encore moins. C'est la coinchée. C'est la même chose que la coinchée. Ah, d'accord. Ça c'est... va mieux. Ça, c'est magnifique. La coinche. D'accord. Ça ressemblerait. Allez. Non, j'y connais strictement rien, je vous assure. Mais vous seriez certainement un très bon professeur. Oui. C'est vrai, Madeleine? Je pense, c'est mais sympa. La belote, c'est pas mon truc non plus. C'est pas votre truc. Oh hein. Non. Donc on va vous laisser, Huguette. Oui. Parce que là, sur ce coup-là, vous serez toute seule. Bon, vous jouez quand même avec Madeleine et Huguette. Oui, vous jouez ensemble au Scrabble. Oui, voilà. Bon, qu'est-ce que vous faites à part ça, Madeleine? Oh, un petit peu de tout, du jardinage, des voyages. Mm-hmm. Hein, et puis aussi le farniente. Bon, le jardinage. Oh, tout doucement. Hein. L'autre jour, on a eu une candidate, je vais la saluer parce que c'était quand même impressionnant. Elle changeait son rosier de place tout. Je sais pas, combien de fois? Une fois par jour? Voilà, chaque endroit dans le jardin, elle essayait. Et elle s'étonnait que le rosier ne se sente pas trop trop bien, quoi. Oui. C'était comment dire, un déraciné. Ah. C'est joli, non? Oui. Hein? Voilà, ça fait réfléchir. Voilà, c'est bien de pouvoir se poser quelque part si on veut pouvoir grandir. Voilà, c'est mesdames beau, et messieurs, dites, c'était Motus. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. C'était trop beau. Voici les grilles, Madeleine, Huguette, pour commencer la partie. Vous mélangez bien. Oui. Hein, vous essayez d'éviter les boules noires. Et si jamais il y avait problème, vous prenez le 41. Et alors là, vous pourrez continuer miracle à jouer. Même chose pour Nathalie et Ingrid. Et le numéro magique pour vous, ce sera le 46. Voici le montant de la cagnotte à présent, Tom. Il y a aujourd'hui 3000 euros à gagner, Thierry, en super partie. De quoi s'offrir un beau voyage, Madeleine, Huguette. Nous commençons avec vous, Madeleine, et nous cherchons un mot de... 9 lettres. 9 lettres. Les mots de 9 lettres ce matin. Amusez-vous bien. Madeleine, c'est parti. Lionceau. Lionceaux. Libation. Libations. Libations.
Labrador. L-A-B-R-A-D-O-R-S. Laboureur. L-A-B-O-U-R-E-U-R. Bah, bravo, Huguette. Allez, vous mélangez, s'il vous plaît. Madeleine, elle lui a fait une petite queue de poisson, là, sur le mélange. Je sais, vous un peu mal. Vous gênez, Huguette. Je voudrais pouvoir mélanger tranquillement. 35. Bonne chance, Madeleine. Voici une autre lettre pour vous, la lettre J. Jalousie. J-A-L-O-U-S-I-E-S. Justicier. J-U-S. T-I-C-I-E-R. Jugement. J-U-G-E-M-E-N-T. Ah. Eh oui, il va nous manquer le S. Et c'est Nathalie qui va faire la bonne opération. Voici la lettre U. Jugulaire. J-U-G-U-L-A-I-R-E. Très bien. Allez-y, Nathalie. Le 46, c'est votre boule magique. Le 40. Ingrid. Le 60. C'est vous qui jouez cette fois-ci, Ingrid. Avec la lettre P. Perdante, P-E-R-D-A-N-T-E-S. Poulaine, P-O-U-L-A-I-N-E-S. Pratiquer, P-R-A-T-I-Q-E-S. Praticien, P-R-A-T-I-C-I-E-N. Nathalie, le 26 rapporterait déjà 100 points. 54. Ingrid. Le 22. Et nous continuons, Ingrid. Vous avez déjà 100 points. Vous jouez avec la lettre A. Ambulance, A-M-B-U-L-A-N-C-E. Aumônerie, A-U-M-O-N-E-R-I-E. Haussienne, A-O-U-T-I-E-2-N-E. Académie, A-C-A-D-E-M-I-E-S. Analogue, A-N-A-L-O-G-U-E-S. Analogie N. Oh. Ah, voilà. Une autre lettre importante à placer. Madeleine, nous allons vous aider en vous donnant le V. Avalanche. A-V-A-L-A-N-C-H-E. C'est vrai que le V, ça aide. Hein. Oui, ça aide. Ça rend bien des services. Allez, Madeleine. Le 51. 51, Huguette. Vingt et un. Huguette, à vous. Voici le dé. Décadence. D-E-C-A-D-E-N-C-E. Dinosaure. D-I-N-O. S-A-U-R-E. Dénombré. D-E-N-O-M-B-R-E-R. Dénombré.
Décaloté, D-U-C-A-L-O-T-E-R. De toute façon, il y a le carton jaune quand même. Le carton jaune, oui, puis c'est pas la bonne orthographe. D'accord. Voilà, en plus. Oui. Nathalie, voici la lettre bonus. Décapoté, D-E-C-A-P-O-T-E-R. points à présent, Nathalie. Le 26, ce serait bien. Le 26. Eh ben voilà. Voilà 100 points de plus pour vous, Nathalie, Ingrid. Vous menez donc 250 à 100. Rien n'est joué, chère Huguette, pour l'instant. Non, non, tout va bien. Nous changeons les grilles et nous reprenons le cours de cette belle partie avec Ingrid.